Avec 103 caméras de vidéoprotection sur son territoire, la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency était déjà en pointe dans le secteur de la sécurité. Ce matin, en signant de nouveaux marchés, elle a encore franchi un pas dans ce domaine. À partir du 1er avril, les 8 postes de police de la CAVAM se verront équipés d'une base radio et les 29 véhicules de policiers municipaux d'une puce GPS qui permettra de localiser en temps réel chaque patrouille. Les 90 agents que compte la CAVAM se verront mettre un émetteur-récepteur dernière génération, un nouvel outil estimé à plus de 260 000 euros. Écoutez, le président de la CAVAM, Luc Striano, au micro de Johan Bensoussan. Là où nous sommes véritablement en pointe, c'est que nous avions associé un dispositif de géolocalisation, c'est qu'à chaque instant, nous savons où sont nos 90 agents, nous savons où sont nos 26 véhicules, et que nous pouvons, en compte tenu de notre cartographie de la délinquance et d'un événement signalé, envoyer immédiatement les équipes les plus proches et adapter au cas de dysfonctionnement qui nous serait signalé. La géolocalisation des personnels, ça c'est véritablement un